Est-ce que la Bible permet le divorce? Selon Marc, le chapitre 10, les versets 1 à 12, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. La réponse est non, la Bible ne permet pas le divorce.